établissez des mini-récompenses pour vous-même. On a tous besoin d'être récompensés en ce moment. Nous ne vivons que dans, pour beaucoup d'entre nous, dans la privation. La privation de liberté que nous avons en ce moment, c'est nouveau pour nous. Mais ce n'est pas parce que nous avons cette contrainte physique que nous devons l'emporter dans notre mental. Nous devons être à l'image de ces grands leaders qui nous ont tous inspirés. Et c'est le moment d'appliquer leur formule. C'est ça que nous devons faire. Et les conseils que je vous donne maintenant, c'est exactement ce chemin que je vous invite à faire. Ne restez pas dans la privation mentale, même si physiquement, on ne fait plus ce que l'on veut. Donc c'est à nous de compter sur nous. On arrête de remettre notre bonheur, notre psychologie, nos rêves, nos grands projets entre les mains des autres. Ça suffit. Faites en sorte d'établir de mini-récompenses pour vous-même. On doit se récompenser. J'en sais rien, j'ai perdu un kilo. Yes! J'ai réussi à lire hier 30 minutes. Yes! Des petites récompenses. Ne banalisez pas les petites récompenses. On en a besoin. Parce que souvent, on peut avoir un grand projet très intimidant. Mais quand c'est un projet qui est tout petit, on fait la même chose. On ne saisit pas l'opportunité de se remercier. La bonne tape sur l'épaule. Cette reconnaissance. De se dire... Ben, c'est ma petite victoire.